Ouais, c'est ouvert, je crois. Oui, c'est ouvert. Bonjour, Jérémy. Salut, Nicole. Tu vas bien? Ouais, ça va bien, mais je crois qu'on va avoir un souci. Tu vois, là-bas, c'est pour des éclairages de jardin. Ça chauffe. Ça éblouit aussi. Ça pique les yeux. Hein. Quand tu fermes les yeux, ça fait comme un grippin. Ça chauffe derrière. Ça chauffe derrière et devant. On essaye sur un ski. On essaye pour voir si ça... Ouais. Bon, ça chauffe? Ouais, ça chauffe. Fort. Ça chauffe, hein. Mais je suis quand même curieux de voir si ça fond ou pas. C'est du job, mais ça vaut la peine. Hein. Ça sent le... Oups. Oh non. Ah ben, elle a cramé. Ça, c'est la merde. Mais t'as vu, il y a des LED qui ont... Les LED, elles sont parties avec. Ah ben, elles ont fondu, en fait. Elles sont soudées au truc. Ce que j'ai envie de te dire, il faut quand même tenter. Mais il faut jouer le jeu de les éteindre dès qu'on peut. Ouais. J'ai un souvenir de Jérémy depuis longtemps, parce qu'on skie avec mon frère ici depuis le milieu des années 90. Et puis, bah, il avait quelque chose, il a un certain don pour le ski, en l'occurrence, aussi. Puis on s'est dit, bah, tiens, c'est intéressant, pourquoi pas. J'ai connu les Falquets, j'étais encore en train de faire du ski alpin, tourner entre les piquets. Et puis, tu voyais très bien qu'ils s'amusaient bien plus que nous. Et puis... Ils m'ont naturellement demandé à la base d'aller les aider durant un shooting de nuit. Et puis j'ai direct été baigné dans ces idées un peu folles de Nico. La neige, on a skié plein de fois de nuit, et puis du coup ça m'a emmené dans plein d'autres projets. Ah, certains disent qu'on l'a fait. Ça, tu dis plus. Non, mais c'est clairement, je pense que depuis le début, c'est clairement... on a tout de suite vu un potentiel incroyable. Il avait tout à nous apprendre techniquement. Lui, il avait peut-être à apprendre de nous un aspect, ben voilà, comment réfléchir un peu créativement. Mais surtout, avoir la force d'esprit de se dire, ben, OK, tout ce que j'ai appris jusqu'à mes 16 ans, c'est bien, ça m'est utile, mais ce n'est pas que ça. Et ça, c'est une force, c'est une ouverture d'esprit qui lui apporte, je pense, énormément de choses pour tout ce qu'il fait. A close look at this. It's going to be over in one second because he's fast as lightning. Absolutely aggro Richter triple up top. So Jérémy Heitz, fast and furious. And Heitz, yeah, that's what he's all about, just speed skiing, really. J'ai fait 5 saisons de compétition. Au début, c'était du n'importe quoi. Je finissais pas une course. Je skiais au-dessus de mes moyens, que ce soit les sauts et même les lignes que je prenais. Look at this technical area right here where he is now. What is he up to? Something completely fresh we haven't seen yet. Après avoir enchaîné 2-3 saisons vraiment avec des bons résultats, il y avait le titre mondial qui jouait chaque fois à Verbier. Finalement, 2-3 fois, ben, j'ai fait vraiment des descentes qui me plaisaient, qui plaisaient à mon entourage. Et puis ça payait jamais. J'étais l'éternel second sur ces compétitions. J'ai jamais gagné une compétition. Ça commençait un peu à peser. Et puis, finalement, tu skis plus vraiment pour toi, tu prends des lignes pour les juges, et puis la motivation, elle n'était plus là. Ok, alors je l'ai mis dans 5, 4, 3, 2, 1, bonjour. La liste, ça a été vraiment un petit boom. Moi, mon souhait numéro un que j'avais, c'était de toucher un peu plus que le monde du ski. Pas juste montrer de la performance. Je voulais pas faire peur aux gens.
Je veux juste raconter une belle histoire, l'évolution du ski de Pentraide. Et puis, c'est des montagnes très impressionnantes. On apportait ce nouveau ski, là, cette fluidité là-dedans. Et puis, j'ai vraiment sorti le film que je voulais, avec l'équipe que je voulais. Et puis, ça a été, je pense, un succès, en tout cas pour moi. Sam, il est aussi c'est un des meilleurs skieurs que je connaisse. Il a performé en compétition, donc il y a du talent là derrière, c'est clair. Mais on a aussi du matériel que ces montagnes-là n'ont jamais connu. C'est des skis renforcés avec des fixations de piste où ça peut vibrer sans avoir peur de perdre un ski ou de tomber. Ce projet de la liste, bon, c'était clairement l'idée, c'était l'idée de Jérém, et lui il m'a impliqué dans son projet. Ouais. Jérém, il est un des skieurs les plus forts que je connais, et lui il avait vraiment cette idée de skier les pentes en vitesse, en grand cours. Moi, je viens vraiment de l'alpinisme et à l'autre côté, Jérém, il vient du ski. Alors, j'ai grandi dans les montagnes. Moi, je suis mieux pour les montées et lui, mieux pour les descentes. Alors, on se pousse un peu aussi là-dessus. Et c'est clairement comme ça qu'on arrive sur un autre niveau. Jérém, parti. Il voit sa sécurité au niveau de vitesse. Il voit, bon, en bas de la montagne là-bas, ça vient plus plat et jusque-là, j'y vais. Et ça, c'est mentalement, c'est incroyable qu'est-ce qu'il fait. Joli. Merci. Magnifique. Ah, je pensais pas qu'il allait avoir autant de neige. Génial. Ah, mais... Merci beaucoup. Hein. Aïe. Avec plaisir. Trop beau. Tac. Systématiquement, quand t'as fait ça, tu le retournes comme ça. D'accord. Parce que comme ça, quand tu coulisses, quand tu vas tirer ici ce bras-là, ben, il va coulisser. Il va moins coincer dans les fissures. Ouais. Hein? Et puis ça, tu as intérêt à avoir un mousqueton, un petit machin. Être léger. Puis ça, tu laisses comme ça. Ouais. Tac. Déjà prêt. Puis ça suffit. Puis là, je suis bloqué, ouais. Crafi, il est sauveteur, il est guide. Donc, c'est vraiment des techniques qui sont rodées. Et puis, nous, ce qui nous importe, c'est d'arriver à ces lignes sains et saufs, mais avec du matériel, comme il l'a dit, super léger, parce que... Mais après, c'est pas pour autant qu'on met la sécurité de côté. Ouais. Tu vois, regarde, si je fais ça, bon, là, ça va aller, mais je pense que tu pourrais avoir des surprises. C'est un bosseur, il est... C'est presque maladif, on va dire. Il s'entraîne énormément. Par exemple, pour le tournage, la liste, ça a été une préparation phénoménale. Ça a été de la salle, du vélo, du ski, de la salle, du vélo, du ski, en permanence. C'est clair que monsieur tout le monde, il aurait les jambes explosées. Enfin, c'est impossible. Mais je crois que sa force, c'est le mental. Et lui, il conçoit pas, dans sa tête, il conçoit pas de skier autrement que ça. Il sait pas skier doucement. Il ne peut pas skier doucement, ou il ne veut pas skier doucement. Et je crois que
C'est comme ça. Fais gaffe, ça glisse. Hein. Ouais. Les 5 premières années où il a fait le bec des roses, j'étais là pour la permanence sauvetage. Donc, s'il se cassait la gueule, c'était moi qui allais le chercher. Il y a deux manières d'aborder la vie. Soit on accepte ce que notre entourage fait, et puis à ce moment-là, on le vit bien. Soit on ne l'accepte pas parce qu'on a peur. Et puis, puis ça, on le vivra très, très mal. Moi, personnellement, je l'accepte. J'ai aussi une totale confiance en lui. Ça veut dire que je l'ai vu souvent dire non. Mais je sais que s'il arrive quelque chose, ben, ça va être horrible à digérer ça. Mentalement, il faut être prêt, il faut accepter ça. En fait, probablement, on garde l'image du Obergorn parce qu'elle est tellement belle. Oui. Mais on a besoin du portrait. Portrait, Jérémy. Donc on peut faire. On va essayer de faire ça, surtout qu'il neige en ce moment à la maison. Donc, ouais. On va faire ça. Et après, en fait, on a besoin de l'histoire qu'on veut raconter sur le web pendant les 4 à 5 semaines qu'on joue cette histoire. Nous, comme sponsors, on a besoin de l'image de l'athlète. Nous, on veut pouvoir raconter des histoires, des vraies histoires, parce que je pense que c'est ça qui fait rêver les gens. Mais on doit quand même essayer de pas les pousser un peu, peut-être aussi leur montrer qu'il y a aussi d'autres possibilités, que c'est pas toujours en faisant quelque chose de très dangereux, mais plutôt quelque chose d'intéressant. C'est pas que le danger qui est intéressant. Alors, en premier, la veste. Ils vont se mettre un peu de pression eux-mêmes, c'est naturel, je pense. Parce que lui, il ferait ça de toute façon, même s'il n'est pas sponsorisé, je suis convaincu de ça. Il mettrait un peu plus longtemps à faire sa liste, probablement, mais il la ferait quand même. On partage la même vision dans le sport. Donc ça, je ne me suis pas forcé à avoir cette vision, c'est juste quelque chose qui est devenu naturel. Et puis, il y a eu un peu de chance, c'est clair. Ouais. Moi, ça me permet de vivre un rêve, de vivre ma passion. Maintenant, je gagne ma vie en faisant du ski. Et puis, au-delà de ça, il y a un bon contact. Donc, c'est ça que je recherche avant tout. T'es au sommet, t'es vraiment dans ta bulle, tu penses à skier, t'es en haut. Après, tu dois un peu gérer l'équipe, mais ça, c'est rien du tout. Ils sont prêts, ils sont là pour toi. Donc, t'as juste à dire le go dans combien de temps, et puis ça, c'est bon. Après, c'est du pur plaisir de skier ça, t'es quand même là pour ça. Et puis, en skiant, c'est vraiment la performance. Des fois, c'est des longues faces, donc tu souffres un peu, tu as mal aux cuisses, tu as envie que ça s'arrête, mais il y a encore 200 mètres à skier. Et puis une fois que tu arrives sur le glacier, ben, c'est un énorme bonheur. C'est la fin d'une petite mission. Tu l'as eu en condition, cette montagne. Tu l'as skié comme tu voulais. Tu as réussi à la gravir. Donc, tu es fier, quoi. Oh, putain! Tu te sens vraiment vidé, super content, vidé d'un gros poids. Et puis, en même temps, tu étais complètement plein d'adrénaline. Je pense, ça s'appelle comme ça. En tout cas, cette excitation que tu arrives. Quand tu arrives au fond, bah, tu as juste envie. Ce que tu as juste envie, c'est de remonter et d'en refaire 100. Thank you.
c'est très beau ce que tu fais. Et puis, mais le nombre de fois où les mamans, même les mamans d'ici, qui me voient et qui disent, mais mon Dieu, je suis contente d'être pas la maman de Jérémy, parce qu'on ne vivrait plus. Et bon, il fait ça depuis tellement d'années que du coup, voilà, c'est comme s'il part au boulot, quoi. Du coup, c'est peut-être un petit peu plus dangereux, mais je sais qu'il a plaisir, quoi. Il vit de sa passion, quoi de mieux. Je sais que t'es prudent, je sais que c'est préparé, mais quand même, t'y penses, quoi. Et puis de plus en plus, je sais pas si c'est parce que je me fais vieille, mais j'y pense de plus en plus, quoi. Et j'ai peur de plus en plus. Mais c'est un peu normal, je pense. Bah, on revient à cette question de... un peu d'égoïsme. Et puis tu t'en rends compte que t'es un peu le chef d'orchestre là-dedans. Bon, après, c'est un peu qui même me suive, hein. Franchement. et puis ça suit, donc c'est... moi, je suis, encore une fois, je suis super chanceux. C'est sûr que c'est toujours des imprévus, enfin, pas imprévus, mais il n'y a pas vraiment de routine. C'est ça que j'apprécie vraiment particulièrement aussi. C'est toujours une nouvelle journée, c'est jamais pareil, donc c'est toujours un peu l'aventure. C'est normal que ça passe avant, c'est son métier et sa passion. Donc voilà, et comme il a dit, on partage beaucoup de choses aussi. Il m'a appris beaucoup de choses, bah, notamment à skier correctement. Mais c'est pour moi, c'est normal, c'est pas égoïste. De 100 km/h sur ses faces, tu te dis, bah, si là il y a une fixation qui lâche, bah, c'est fini. Et puis ça arrivait. Même maintenant, je le sens encore 2 ans après, sur les skis, ça a atteint un peu la confiance que j'avais. Je me suis fait quand même bien peur. Je pense qu'on plie. Voilà. J'ai découvert ça en voyant le film, hein, l'ébauche de la liste, quand il est tombé au grand combat. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Quand t'es... Mais ouais, tu le laisses aller, de toute façon, t'as pas le choix. C'est sa vie. Ouais. Ah oui, j'ai confiance en lui. Sinon, je l'attacherai, quoi. C'est des expériences qui sont bien pour l'apprentissage, mais ça te fait vieillir à... La sagesse vient à vitesse grand V. Quand tu as ces mauvaises expériences, si tout d'un coup ça a touché la confiance et ces choses-là, ça peut te bloquer. Et puis, moi, je comprends quand on entend que des sportifs qui ont vraiment tiré la discipline en avant, tout d'un coup, ben, hop, on ne les voit plus. Et ben, je comprends vraiment de quoi ils parlent maintenant. Ouais. J'ai une nuit bizarre, moi. J'arrivais pas à m'endormir. Je me faisais tout ce qu'on avait besoin de prendre, tu sais. Ah. Ce qu'il fallait pas oublier. T'as pas encore appris à t'en foutre. Plus t'avances, plus tu t'approches de...
le moment où il faut faire, tu réalises que c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Ça a bien soufflé, ça y a eu beaucoup de neige quand même. Hein. Tu vois, on va purger déjà maintenant, puis on remonte. C'est ça l'idée? Non, on accède. On accède tout de suite. Mais on pire encore remonter. Il y a eu un plus de neige que ce qu'on avait imaginé, un peu de vent, enfin juste les bonnes combinaisons pour que le danger étroit soit quand même bien là et bien présent. Donc c'est comme d'habitude quoi. On commence avec les imprévus avant même d'avoir le matériel et les problèmes techniques. Voilà, mais bon, on est bien une bonne équipe, bien entourée, donc on va trouver des solutions. Ça fait partie du truc. Elle s'est tout emmêlée. Oui, on va s'amuser en dehors des pistes, donc c'est théoriquement des terrains pas sécurisés. C'est clair, de montrer des belles images, de dire qu'on a été au couloir du Luisin, au Marécotte, sur les réseaux sociaux, c'est clair que ça incite, ça montre qu'on l'a fait, c'est faisable, et puis qu'on peut aller là-haut. Mais ce qu'ils ne pensent pas forcément, c'est qu'on a cette connaissance, on est entouré de guides de montagne, on a vraiment l'aspect sécurité, et puis nous, on performe là-dedans. Et puis s'il arrive quoi que ce soit, y a des gens qui sont là, et puis en 5 minutes, t'es dehors. Donc on se protège aussi pas mal. Des images de nuit, on a fait déjà beaucoup avec Nico et Jérémy et Loïs, mais sur un couloir de cette longueur, je n'ai jamais vu. Alors ça va être très intéressant. C'est du boulot pour 30 secondes d'image, mais je pense que ça vaut la peine. Oui, les lumières sont allumées. Ça a l'air très joli, magnifique. Les gens qui me font vraiment peur, c'est des jeunes qui n'ont pas l'expérience, qui voient un peu ce que fait Jérémy ou Nico et ils veulent faire la même chose. Ça, c'est un peu. Ouais. Je ne veux pas dire que c'est de notre faute, mais. Ouais. Il fait froid! Essaye de la tourner vers la droite. On peut décoller bientôt ou non? Oui, tu peux décoller, Guido. Alors, Jérémy dans 5, 4, 3, 2, 1. Jérémy, parti. Oh, je vois rien. Je suis jeune, j'ai 28 ans, il me semble que j'ai pas grillé les étapes. Et je le fais parce que je suis sûr de moi, je suis pas suicidaire non plus. J'ai envie de me faire avant tout plaisir sur mes skis. C'est du luxe, mais j'aimerais bien garder ce luxe à un bon moment. Ouais. C'est une passion qui est là depuis toujours, mais je sais que ça va s'arrêter dans ces prochaines années et pas dans 20 ans.